Bonjour les fines bouches. Dans cette vidéo, on va parler d'un produit qui est tellement doux qu'il me fait penser à vous. Votre douceur de nous suivre, vos messages, vos commentaires qui sont hyper motivants. Alors aujourd'hui, on va faire le praliné. Le praliné qui est la deuxième étape du pralin. Je vous explique tout ça en vidéo. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un praliné? On a besoin d'amandes, noisettes, entières, le même poids, en l'occurrence 120 g. Et on a besoin de 160 g de sucre semoule. Un petit peu d'eau. Un thermomètre, très important pour une seule opération, mais importante. On lance en mettant le sucre. On va faire un caramel. Donc on met le sucre et l'eau dans la poêle. On lance à plein feu. Et on attend que ça monte à 110 degrés. L'importance du thermomètre. Donc dès que c'est à 110 degrés, je vous rappelle, 108. À 110, vous prenez ça et ça, vous le versez dedans. Et vous laissez. Alors, là, l'action s'est déroulée, c'est que le caramel a enrobé les amandes et les noisettes. C'est assez foncé. Donc là, on va couper la cuisson. Et on va verser ça sur une plaque. Et où ? C'est un peu l'odeur du chouchou. Et ce produit, on va le laisser refroidir complètement. Et après, on a deux phases pour faire pralin et praliné. Donc, le temps que ça refroidisse, on part de 130 degrés. Il va falloir quand même un petit peu de temps. A tout de suite. Donc, notre... caramel, noisette, amande a bien refroidi. On va le décoller et on va le casser en morceaux et le mettre dans le blender. Voilà. Alors ça colle un peu au doigt, mais c'est le principe du sucre. Hein. C'est bon ça. On dirait les chouchous. Ensuite, le blender. On le pose ici. On allume. Je fais un petit break pour me laver les mains parce qu'elles sont pleines de sucre. Voilà. La première étape, vous obtenez ce que l'on appelle du pralin. Le pralin, c'est une poudre composée donc de sucre, de noisettes et d'amandes. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez parfumer des glaces, vous pouvez mettre dans une crème pour faire mettre au milieu d'un gâteau, enfin faire plein de choses. Maintenant, on va aller plus loin. Pour obtenir ce qu'on appelle un praliné. C'est-à-dire qu'on va continuer à broyer tout ça de façon à ce que toutes les huiles apparaissent et ça va devenir une crème. C'est assez long. Les amis,
faut que je sois très honnête avec vous. J'avais envisagé de vous présenter du praliné. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le blender, il a coupé. Cramé, grillé. Donc, je ne vous présente une recette que de pralin. Mais je vous promets qu'un jour, lorsque le blender ton aura donné, on refera un praliné. Le blender ton, c'est quoi? C'est très simple. Il y a un petit point rouge en haut, vous cliquez et il y a « Donner pour le blender ». Et vous cliquez, vous donnez 1 euro, 50 centimes, 10 euros. Pas plus de 150 euros, hein, parce que c'est ce que ça vaut le blender. Alors, sans blague, un petit tips, ça fait plaisir. Et en attendant, bon appétit et à bientôt. Alors, tout se passe bien ?